Yo tout le monde, c'est Thiob, épisode numéro 3. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et effectivement, hein, on est des pestiférés. Ah, vous savez, hein, c'est un malentendu, ce sont des problèmes qui peuvent arriver. Alors, richesse d'industrie. Ouais. On va partir sur l'hôtel des Phaistos. Simplement parce que là on aura du fer, donc on va avoir besoin. Ici on a de la nourriture, c'est très bien. Là ça brûle, ça brûle tranquillement même, je dirais. On va essayer de faire du commerce, mais là personne ne veut faire du commerce avec nous, c'est décevant. Je vois Coria, les Rettes sont-ils en alliance avec quelqu'un, la Confédération Celte. Eux ils sont en guerre contre quelqu'un ou pas aussi en même temps? Juste contre moi, d'accord. Une petite armée rebelle ici. Hop, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Direction Coria. Hop, c'était en sens inverse. Hop, voilà. Continuons d'embuscade. Oh, quoi que. Oh, les Arvernes, ils ont poussé. Hein. J'ai fait un pacte de, pardon, j'ai fait un pacte de non-agression avec les Insurbes. Insubres. Attaque là, ça passera. Et je vais déclarer la guerre aux Rettes. Soyez les bienvenus, bien que mes ancêtres. Voilà. Ce serait bien qu'ils attaquent dans. Ah. Ah, la rébellion d'esclaves n'était pas prévue du tout. Mais vraiment pas du tout. Allons-nous nous entretuer? Sachant qu'en plus, vraiment. J'offre ce morceau. Maintenant, tel un loup à la porte. Oui, surtout qu'en plus, vraiment, genre, j'ai mis une seule fois des. J'ai fait qu'une seule fois des esclaves, quoi. C'est vraiment pas de chance. Bon, bah, attaquons. Les champions de Latinus. Voilà. Ah puis il y en a une autre là. Ah oui mais non, ça c'est l'armée rebelle. L'autre gars, m'en fiche. Allez, c'est parti. Faire des recherches. Ouais, ça c'est bien. Mon navire là-bas, je l'ai oublié depuis je sais pas combien de temps. C'est pauvre. Ouais, ici il y a rien. Est-ce que je peux aller assez proche, genre là? Allez. Là c'est bon, là c'est bon. C'est vrai qu'on avait adopté tous nos politiciens qui risquent pas de partir. C'est également une bonne nouvelle. Ok, il me reste un peu d'argent, bah écoutez, on va lever quelques hoplites. Allez, juste quelques hoplites. J'hésitais à faire de la cavalerie civile, mais un seul, ça ne m'intéresse pas. Deux à la fois, je dis pourquoi pas, mais pas moi. Pourquoi notre TP? Non. Ah zut, j'ai un. Apparemment, il y a l'air d'avoir mon général ou mon dirigeant de faction qui est mort. Juste un général. Ouais, c'est lui. Bah ouais, il se faisait vieux. Hein. Hop, toi. Bah,
toi déjà tu vas être adopté, voilà, pas déconner. Xantip. Pardon. Xantipé. Tiens, venir avec moi. Ils sont passés où les... Les rebelles. Ah, ils ont disparu. C'est bizarre. Bon. Bah, c'est parti. Hein. Allons voler. De la nourriture. Toi, tu es mon futur dirigeant. Je vais faire l'adoption. Est-ce que j'en aurais vraiment besoin avec tout le monde? Je sais pas. Bon, on verra, on verra. De toute façon, le dirigeant de faction a besoin d'autorité. C'est tout. Pour pouvoir adopter. Voilà, le héros là qui fait le café. Ok, j'ai découvert les Cimériens et la City Royale. Pouvoir faire du commerce avec les Cimériens. Je vais leur laisser, de toute façon ça sert à rien cette ville. Cette cité, voilà, j'ai décidé de pas la garder de suite. Peut-être que j'irai la repiller un peu plus tard. Voilà, tant qu'elle est au moins des rebelles. Des rebelles ou des insurbes? J'ai louché. Rebelle celtique. Ah, c'est le même drapeau quoi. Ah. Hop, avançons. Petit à petit. Voilà. On fortifie toujours nos positions. Ça posera pas de soucis. Ah, je vais peut-être. Le faire retourner à la maison, lui remplacé par AKC pour le faire recruter quelques unités. Je sais pas combien il est, il a 54 ans. Ça passe. Voilà un niveau en plus. Et je fais ça au niveau de la nourriture. Ils perdent de la nourriture, c'est parfait. Ça. Là, on est bien. Il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à faire. Là, rien à faire. Ah. On va économiser un peu au temple de Poséidon. Ça augmentera notre nourriture, ça augmentera nos revenus commerciaux, qui certes actuellement ne sont pas très élevés, mais Tarako, ouais, ils sont pestiférés là-bas aussi, faut arrêter. Ah. Allez, on s'avance. Ouais. Ils n'ont pas eu assez de pertes dues à la nourriture encore, donc j'attaque. À mon goût, hein, bien évidemment. Donc ça nous fait cette année. Ok, très bien. Alors, on augmente. Hein. Orverne, toujours pas. Salut à vous. Je suis. Un jour, ils vont m'attaquer dans le dos, tu vas voir. Je vous cède la parole. Commerciaux. Puis, ah. Votre rhétorique semble bonne. Voilà. Vous parlez avec sagesse et grâce. Nous acceptons et embrassons votre offre. Merci. Par contre, on brasse pas trop une offre. Enfin, je sais pas comment tu fais, mais... Enfin, un perso, faire un bisou à une offre, c'est un peu bizarre. On va le prendre dans mes bras, je sais pas. Mais... Ah, ouais, d'accord. Épidémie. Urdigala. Oh là là là, ça se rapproche, les gars. Mmh. Allez, en cerclant tout ça. Ah, il y a du monde hein, dans le coin. Hein. Ah, il y a beaucoup de monde même. Nous prenons cette colle, cessez le combat. Ouais, ouais, cessez le combat. T'as bien raison. Avançons-nous. Un petit mode fortifié, voilà, on attend.
Ils sont en perte d'unité toujours, ils sont en usure. On a le temps. Hop, on va partir sur documentation légale, ça va augmenter le taux d'imposition. Et en plus, je pourrais recruter un dignitaire. Voilà. Je pense que je recruterai un dignitaire dans le... qui accès commerce. Pour augmenter les revenus de ma province provinciale. C'est un peu con ça. Attends, c'est vraiment ça. Hein. Province provinciale. Bref. Oh là là, c'est encore pire au niveau perte pour lui là. Allez. Quelques unités là, mais. Écoutez, j'ai de la cavalerie. Si vous sortir, qui sortent. Moi j'encercle. Hop. Là on est bien, ici on est bien aussi. Un pouillat de cavalerie, peut-être quelques peltastes. Non, j'avais dit que je recruterais un peu plus tard avec mon dirigeant de faction. Si je peux faire quoi? Oui, je peux pas faire grand chose. Bah, les unités de base quoi. Frondeur et lancier. Lancier. Je sais pas, gaulois. Normalement, ils vont essayer de sortir eux. Les raids, ils sont pas fous. Voilà, ils attaquent. Quand même on va les modes protection. Prêt pour de nouveaux ordres. Je suis pas en guerre avec un de mes alliés contre eux, donc hop, je relâche et j'occupe. Faut pas les finir, non. Ne pouvons suivre cet ordre. Ouais. Ne pouvons attends, faire cela. Attends. Détruisez-les. Le jeu il est cassé là. J'ai bien peur que nous ne puissions pas. Ouais, ouais, bah ça je sais. Merde, le jeu est cassé. C'est pas cool. Ouais. Partir expert en siège. On va faire ça, hein. Alors on va le jouer à, on va la jouer au siège, tiens, avec, avec eux dans cette partie. Allez, on améliore. Voilà. Que fais-tu là toi? Je crois que je te vois pas. Hein, on améliore tout ça. Je veux pas de ça. Et... partir sur une caserne de Holosideros actuellement, sachant qu'on est un peu on est un peu entouré d'ennemis là. Non pas entouré, mais disons que tout le nord est pas très très stable. Ah. Tiens, je vais profiter pour les up également. Voilà. Là pareil. Voilà. On a des bonnes armes. Qualité. L'ombre de l'ennemi plane sur nous tous. Pouvez-vous envoyer une fin? Non, et là, ça n'est pas du tout convenable. Alors, je me fais attaquer. Je me fais attaquer très bien. Ah, j'aurais dû la jouer manuellement la première. J'aurais eu moins de pertes. Bon, avec quelques unités, bon, rien de bien méchant quoi. Ouais, le but étant de tenir avec les murs de Hoplite. Bon, bah, je vais mener la bataille sur le champ. Si elle est intéressante, je l'amènerai avec vous. Et sinon, on se retrouve de suite. Une victoire donc.
bien qu'elle est qu'elle fût compliquée, hein, c'est une belle victoire. Énormément de victimes de leur côté, voilà, en plus bah il n'y a plus de raid. Voilà, exactement, donc ça fait plaisir. Je vais même aller les chasser, faut pas déconner. En mode protection. Voilà, je vais éviter un maximum les pertes. Allez hop, voilà. Ça. Une chose de faite et qu'elle est bonne. Enfin. On va voler de la nourriture. Ouais, je peux vous dire les gars. La vengeance est un plat qui se mange. Très bientôt. Les Nerviens, voyons voir. Les Nerviens, ils s'entendent bien avec tes potes. Parfait. Je sens comme elle dit. Est-ce que je peux faire du commerce? Venez, mon ami. Merde, j'aurais pu demander d'argent. C'est pas grave. Est-ce que je peux faire du Venez, commerce? Mon ami. Asseyez-vous, que vos mots me mettent en colère. Ouais, on exige, cela dépend de vous. Plus j'en mets de côté, mieux c'est. Je sens que les... Vous écouterons volontiers vos ordres. C'est con. Athènes, est-ce qu'il y a... Non, on peut pas commercer. Sparte, putain. Bon, ils sont en guerre, ok. Ça, on va éviter. On est bien. Oh la vache. Cimérien, ouais. Soyez les bienvenus, bien que mes ancêtres et mon peuple attendent. Votre marchandise, non. Nous avons peu à gagner. Spécialement en ville, les Suèves. Une langue trop pendue qui parle sans sagesse. Ne va pas non plus. C'est pas grave. Alors, hop, on va reprendre notre navire d'exploration. Voilà, Tanaïs. Et il y aura quelques tours avant d'y aller. Il y a les pontes aussi, oui, les pontes, ça serait pas mal. Ils ont du bois, c'est intéressant. Éducation. On éduque Féléothéos. Le tour prochain, on monte une unité là, d'Hoplite. Et on attaquera Noreia une fois que toutes nos unités seront dans une meilleure forme. C'est là, elles ont pris cher. Nous pouvons mettre en place, si les esprits le veulent, de vrais traités entre nos peuples. Alors, c'est une demande que je paye donc non. Mon peuple n'aime pas le luxe. Mais l'argent est utile. Je vous demande ouais. Un... Ouais, parce que Knossos, ils sont très loyaux. En tant que guerrier... Non, mais... Entraînement de cavalerie, voilà. Oups, alors je suis désolé si je vous crie dans les oreilles. J'essaie d'augmenter un peu le son. Je vais avoir un message justement là de Ville-Coyote. Il dit qu'effectivement on m'entend pas trop. C'est un problème, ouais, j'essaie de voir d'où est-ce qu'il peut venir. Je vais faire en sorte que pour la prochaine vidéo on m'entende bien. Oui, donc j'avais dit. Ah, c'est pas ce tour-là. Il manque encore. Pardon, il manque encore un tour. Bon, c'est pas grave. Allez, plus de dégâts sur les armes. Ça fera du bien aux unités à distance, autant qu'aux unités au corps à corps. Est-ce que je peux promouvoir quelqu'un, principalement les femmes? Elles ne vont pas au combat. Et elles ne mourront pas au combat. Et c'est ça qui est fort en fait avec les femmes sur ce type de faction. C'est qu'on risque pas de les perdre. Enfin, de vieillesse. Mais pas d'autre chose. Et ouais.
Petit tips gratuit. Ah, j'ai rencontré un ponte, je crois. Je suis pas sûr. Ah bah oui, Phanagoria et ponte. D'accord. Nous pouvons Dalmat, pas mettre en de place l'agression, si si tu les veux. esprits. Pas de problème. Mon Traité de paix, non? Non, 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 bah non, pas traité de paix. Piton, pack de non-agression avec grand plaisir. Vache, les Arvernes, ils déconnent zéro là. Un enfant aîné, c'est parfait. Toi, tu as up, c'est parfait également. Expert en siège, ouais, 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 très important. Surtout la manière dont je vais. Donc je vais jouer cette armée, hop. Ensuite, on remplace par comment il s'appelle lui déjà? AKC. Non, je vais pas y arriver. Oh, aïe, aïe, voilà. Alors, hop, t'es où AKC? Il est là. On recrute. Donc, cavalerie, ce sera mieux. On développe la mine. Ici, est-ce qu'il y a de la perte, de l'usure? Oui, ils ont pas assez de nourriture, c'est juste parfait. Au niveau des objectifs, c'est contrôler totalement. Ouais, ça c'est bien. Faudrait que je prenne Genua. Ouais. Bof. Ça m'intéresse pas pour l'instant. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Écoutez, je vois que ça fait déjà plus de 20 minutes. Prochaine étape. Conquérir l'ensemble de Rethiae et Noricom. Pour le reste, on verra. Allez, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour le prochain. C'était Thiom. Ciao.